Je suis le roi de Kattegat. Et nous, on allait justement partir sur un raid qu'on t'a croisé. Si tu Tu veux vas donc bien. venir avec nous. Bon allez, tout le monde dans le navire maintenant. Eh ben, dites-moi, vous êtes bien insouciant. Donner une arme et un bouclier à un inconnu que vous Ah, ne venez de t'inquiète croiser. pas, ouais. Parce que déjà tu sais manier l'arme, ça serait déjà bien pour ça. Après, un inconnu contre quatre personnes Ouais, qui voilà. savent se battre, je t'avoue que j'ai un peu confiance en notre force, d'un côté. Je suis Ivan de Novgorod, ancien russe de Novgorod, du coup. Et j'étais parti pour redécouvrir mes anciennes terres. Drakkar, hop, vous voyez ? Les terres de mes origines, de mes ancêtres, la Scandinavie, avec mon Drakkar. Mais j'ai malheureusement été attaqué par des brigands. Et me voici esclave par ces brigands. Je suis Ivan. Et je suis chrétien. J'ai été forcé à me convertir à cette religion par mon ancien roi, Oleg le Sage. Et je suis un fils de garde Vareg. Et du coup, voilà, j'ai voulu redécouvrir les terres de mes ancêtres. Mais me voici esclave. Oh putain. Oh seigneur. Attention, attention. Oh seigneur. Y'a personne. Enfin si, y'a... Y'a un couillon dans sa cage. Y'a un couillon. Ok, y'a un... Ah ici, là, regardez. Et j'ai des coffres. Esclave, sans doute. Ouais. Ah ouais. Bah écoute, ça sera le seul prisonnier, on va le prendre avec nous. On va prendre comme esclave. Est-ce que tu parles notre langue? Oui. J'ai pas compris. Ah ouais. Oui, écoute. Qui es-tu, toi, pour être ici dedans? Je m'appelle Ivan. Et vous, qui êtes-vous? Vous n'êtes pas obligé de casser Bidouf, la porte Azouf. Si vous voulez. Vous êtes les brigands qui m'ont capturé? Ou des alliés? Alors, je suis le roi de Kattegat. De Kattegat? J'ai entendu parler d'une bataille. Avec justement un des suzerains de Kattegat. C'est vous? C'est fort possible. Je vais pas donner des informations, je sais pas qui tu es. J'ai dit suzerain. Bon. Vous savez qu'est-ce qu'on va en faire? J'ai déjà donné les ordres. Je suis esclave. Allez. Ouais, J'ai été capturé, je venais ici, je viens de Novgorod. Je revenais ici sur la tête de terre de mes ancêtres, mais ces brigands m'ont capturé. Et ils m'ont fait de moi leur esclave depuis quelques semaines, voire quelques mois maintenant, je crois. Et c'est moi et les autres esclaves qui ont bâti ce campement, mais ils ont tué les deux autres. Et je pensais que vous vouliez me tuer aussi. Tuer, je sais pas. Pour avoir des informations de là où tu viens. Pour être intéressant, il y a peut-être des richesses à piller là. D'où il vient. Peut-être. Effectivement. Mais il y a la route de la soie. Avec nous. De la soie. Bah tiens, si t'as l'air d'avoir beaucoup de choses à nous dire. Bon, avant qu'il y ait des renforts ou je sais pas quel autre ennemi qui va arriver, on va l'emmener avec nous. Je t'en prie, Norgi. Je te laisse t'occuper de lui. Ok. Allez, tu me suis, toi. J'emmène au bateau, c'est ça? J'emmène au Drakkar. Amène-le au Drakkar, ouais. Ok. Donc vous êtes qui, vous? Ouais, je m'appelle Nordin Gali. D'accord, et vous? Moi, je suis Vig. Ah, je l'ai pas entendu. Ok. D'accord. Bon, vous m'avez sauvé des griffes de ces brigands, mais qu'est-ce que vous allez faire de moi? Ah, je sais pas si vous pensez ce que j'ai dit. De ce que j'ai compris, te soutirer des informations. Et après, je ne sais pas. Ce sera le roi qui en décidera.
Et où est votre roi? Juste devant. Il vient de passer. Ah, dommage. Il faut sprinter. Hop là. Du coup, vous êtes le roi de Kattegat, vous dites? Exactement, mais... J'aime pas trop que cet individu soit près de moi, on le connaît pas. Pour ça. Attention. Donc, Kattegat, effectivement, oui. On va te conduire chez nous. Ok, vous voulez faire quoi de moi? Je resterai toujours ça, esclave? Ça, je verrai. Forêt. Hop là. Pas trop lourd pour pouvoir réussir à sauter jusqu'au drakkar. Attends, je vais rapprocher le drakkar. Merci. Parfait. Si vous avez beaucoup d'armes qui ressemblent à mon peuple, quand même. Peut-être que c'est mon peuple qui ressemble au vôtre. Mais Ah, on a des similitudes. Intéressant. On utilise aussi les boucliers et les haches. Mais par contre, vous avez des... Vous avez un accoutrement assez païen, j'ai l'impression. Quand je vois votre collègue au fond, là... Il a une sale tête. Et c'est quoi ça? C'est quoi ce genre d'oiseau là? C'est ça, ce qu'on appelle un vautour. C'est... Un vautour fauve? C'est un... Une personne d'un groupe qui a une seule tête alors que ce groupe eux-mêmes t'a sauvé la mise en te sortant de ta cage. C'est assez original. Si c'est pour me remettre dans une autre cage, je vois pas trop le changement. Ouais, mais tu es en vie. Voilà. C'est vrai, ouais. Oui, effectivement, pour l'instant. Peut-être assez de soin de me laisser me balader sur le drakkar. Si je veux, je saute à l'eau et vous me retrouvez plus, là. Justement, bah, c'est ça le souci de, que je vois, là. C'est le souci que je vois, là. Ah, bravo. Après, soit qu'il souhaitait tout ça, mais seul, sans aucun équipement et à poil. Tout seul dans la nature, il survivra pas longtemps. On va y accoster dès que vous arrivez. Je vais essayer de les fuir en vrai, moi je veux pas qu'ils m'attrapent. C'est ouf ou quoi? Ils m'ont libéré. Ils m'ont libéré, moi je me tire. Tu m'étonnes qu'il s'est fait attraper par des esclaves, il est aussi stupide pour sauter à poil dans l'océan sans aucun équipement. Je vois qu'il y a personne qui m'écoute, je suis en train de dire que le mec est en train de se diriger vers le sol et qu'il faudrait peut-être y aller. Je suis déjà fatigué. Il se dirige de l'autre côté de la maison. Je suis en train de le suivre. Voilà. Il s'enfuit. Vers la forêt. Ouais, il y a une saloperie là. Vous faites quoi de moi maintenant? Bah tiens, elle est là. Hop. Donc déjà, tu bouges plus là. T'essayes de faire quoi là? Bon. Essayer de t'enfuir, ouais. Bon, vous êtes stupide, bah, ou quoi? Je pense qu'on va. Non, c'est pas moi qui suis stupide. Ou ni nous. Bref. Faites attention à lui, les gars. Faites attention. Vous m'avez donné une occasion de m'échapper. J'en ai profité. Il fait ce qu'il veut. C'est bizarre ça. On peut l'assommer, ça réglera la question. Je vous en prie. Aïe aïe aïe. Je crois que je l'ai énervé. Je crois que j'ai énervé votre roi là. Ouais, je suis un peu énervé là. Je vois des prisonniers. Toi, tu l'as bien cherché. Ça, j'aime pas trop ça. C'est quoi cette arme que vous avez? J'ai jamais vu un arc pareil. On l'a trouvé chez les Saxons l'autre fois. Ah oui, les Saxons, je connais ce peuple. Ils nous ont un peu forcé, moi et mon peuple, à se convertir à leur nouveau dieu. Tout le monde s'en fout. Bon, on le fait monter sur le drakkar, on retourne à Kattegat.
Ok. Allez, je vais leur faciliter la tâche. Hop là. Hop là. Et où se trouve Kattegat du coup? Bah, rassurez-moi, on est toujours en Scandinavie. Parce que moi j'ai tellement voyagé depuis que j'étais esclave que j'ai même plus où je suis maintenant. D'accord. Tout le monde s'en branle. Ah, mais peut-être qu'il me. Si, il m'entend. Personne ne va me répondre, nickel. Vous m'entendez? Moi j'entends en tout cas. Moi aussi. T'entends, t'entends, j'aimerais que tu gardes le silence. Assez entendu. Tu peux l'assommer maintenant? Ouais, tu peux l'assommer. Ah, parfait. Oh merde. Putain. Prends le cadavre. Ah, ah putain. Trop lourd, hein. D'accord. Ouais, j'avais. S'il vous plaît, ouais, voilà. je vais aussi, pas besoin de me taper sur la tête. Voilà. Ah merde! Ah, non, oui. Venez, viens vite! Venez vite! Ah mince. Merde, ils sont forts aujourd'hui. Ah, ils sont très agressifs, vos gardes, même envers les vôtres. Ouais, c'est vrai. Oh. Garde un œil sur lui, s'il te plaît. Je vais me planquer. Ah, c'est pour ça que je suis en train de. Merde. Est-ce qu'on peut me voir là? On est parti en haut. Oh putain. Allez, c'est les gardiens. L'accueil, on peut dire qu'elle est chaleureuse, à votre manière. On t'a pas encore accepté dans... Il va se faire niquer, il m'a perdu. Je sais pas comment faire. Il va dire, j'ai perdu l'esclave. Bon, le temps que vous vous occupiez de ça, je vais ramener le vautour à la forge. Parmi vous, qui distribue les bracelets habituellement? C'est moi, mais je l'ai pas. J'ai jamais encore fait. Maintiens le bracelet, dans ta main. J'arrive pas à faire oui ou non. Tu ne peux pas? Merde, je voulais faire oui ou non, mais je sais plus. Comment on fait? Et du coup, même vous, ils vous agressent. Vos propres gardes agressent votre propre peuple. Ils vous ont pas reconnu, peut-être. Oh, mais je ne fais pas partie de leur clan. Ah bon? Ah, vous, si vous êtes esclave, vous avez un peu plus de liberté que moi, vous êtes habillé. Non, loin de là. Quant à Anna, je vais te donner un gros, oui. C'est le silence. Fais-lui comprendre ça, parce que. Moi, je fais partie des guerriers. J'ai jamais été vendu parmi des esclaves. Non, je dis non. Ok. Ah, j'aime ça. Aïe. C'est super. Aïe. Pas. Ils sont énervés. Excuse-moi, Loki, on va l'amener là-haut. Je me suis. Pas encore accepter les gens, c'est chaud. Par contre, je crois qu'ici, il manque un truc. Je sais pas pour toi. C'est lui, l'oral. On va s'occuper de toi après. Hop. Merci. Oh, mais je croyais qu'il faisait jour oui, tellement je suis resté enfermé longtemps. Ça fait combien de temps? Ça fait au moins 2-3 jours, non? Que quelques. Ah ouais. Suis-moi. Ah d'accord. Bah non. Voilà. Ah, encore une femme nue, vous avez le grand bâtiment. Oui, c'est lui où je suis enfermé. Non, ce bâtiment là-bas, là. Ah oui, votre maison longue, ouais, j'imagine. Bon bah, on...
Ouais, je vous suis. Une réunion du village. C'est moi qui pense. Gardez un œil sur. Wow. Y a une cage pour moi ici. Je vais te ramener où? Ah merci. Oh putain. C'est bon. Tu vas tout de suite, je vais tout de suite me laver cet affront. Y a pas d'excuse. Ok, alors attendez. Pas savoir, y a pas de temps. Voilà, donc. Bienvenue au Grand Scali, voici. Bienvenue à ma demeure. Donc. Comme vous pouvez voir, on a un esclave, je pense que vous tenez une utilité. Bienvenue à tous, bienvenue à Kattegat. Du coup, on a un nouveau membre, donc... Asuf, exactement. Asuf, c'est ça? Asuf, oui. Asuf, voilà. Bienvenue à toi. Donc... Mais voilà. J'ai entendu ton histoire tout à l'heure. Tu l'as fait comment ta couronne? C'est plutôt toi le vrai roi, non? Norgine, il sert à rien lui. Faut pas qu'il soit là. Faut pas qu'il nous dérange pendant notre discussion. C'est pas l'un des nôtres. On le fout alors. Hop, je le fous dans la pièce à côté. Claire là, vraiment. Pas droit à la parole. Ils ont failli me tuer. Voilà, je me mets devant au cas où. Du coup, c'est sortir. Tu veux dire que tu as perdu tes compagnons, que. Difficile. Mais pour l'instant, on a besoin de bras du coup dans le village et. Accepte-tu du coup d'être notre tavernier, de me. Ton allégeance. À cette tâche. Je vais peut-être retavernier le temps de mon séjour ici, oui. Le souci c'est que... Assis comme ça... De quoi? Tu viens devant moi dire que notre accord est... Que tu es d'accord avec notre accord. Oh. Bordel, je suis déjà paumé, moi. Non, vous faites bien des manières pour un viking. Je sais. Mais c'est vrai. Non, je déconne, venez pas s'il vous plaît, non, j'ai mal. Accord conclu. Bon, ensuite, nous avons capturé un esclave, vous pouvez le voir. Bon, je pense lui trouver une utilité. Je pense qu'il va être. Norgine m'a dit que qu'il aurait besoin de quelqu'un. Je pense donner à Norgine l'esclave que nous avons. Durant notre dernier raid. Quoi va lui servir son esclave? Et garder les moutons. Parce que de là où je viens, on m'a dit qu'il y a quelqu'un qui vient beaucoup les porcs. Ah, très bien, on arrive tout de suite. Alors du coup, je suis l'esclave de... Dernière chose. De celui avec la couronne. Tu vas donc servir Norgdin Gali. Voilà. À travers lui, tu prouveras ta valeur du coup. Et si tu es vraiment digne de rejoindre notre équipe. Votre équipe, il a dit. Gat. Votre équipe Non, notre... Ah, vous aussi, vous jouez au... Comment ils appellent ça? Ah, il y a un sport, vous savez, avec la balle. Il le dit à fond de sa gueule. Bon, Norgine, il t'a pas. Je te laisse t'en occuper. Et le tavernier nous a proposé un tour à la taverne. Donc... Ouais, bah, je veux bien, on y va, Norgine. Toi, la ferme. J'ai... Par contre... Norgine, est-ce que... Là, je peux mieux entendre. Est-ce que vous pouvez juste me serrer la main, s'il vous plaît? J'aimerais bien. Ah, bon, sinon au pire, votre rôle fera, c'est pas grave. Donc là...
C'est pour qu'ils me mettent dans la tribu parce que sinon c'est chiant. Ah, est-ce que vous pouvez juste me serrer la main s'il vous plaît? Parce que... Justement je peux pas mec. Ah. Bon, j'ai vu le problème. J'ai vu le problème, c'est... C'est une autre personne qui n'est plus là qui peut... Bah, vous serrer la main en fait. On s'en occupera après. Hop là. Ok. Ah oui, du coup, Nordin met lui une tenue là, il y a un cul. Ah. Qui se balade dans le village. Est-ce que je peux avoir un ciseau, s'il vous plaît? Il a le droit de venir à la taverne. Et je sais pas s'il a vraiment le droit de venir à la taverne. Et est-ce qu'il a le droit d'avoir un ciseau? Une paire, enfin, vous savez, une cisaille quoi, pour raser tout ça là. Bon. Bon, voilà. Je t'en fais, Nordin, mais ça tourne en décidé maintenant. Une main. Plus, c'est plus ma prime. D'accord. Aïe, ouais, coup dur là pour l'esclave. Ah, bon, attends, te voilà chez moi. Ok. Je te laisse de quoi t'habiller. Ouais, merci, c'est gentil. Parce que c'est vrai que si tu meurs deux fois de froid, ce serait un peu bête quand même. Est-ce que je pourrais avoir une lame ou quelque chose pour me couper un peu les cheveux devant et tout, ça me gêne. Je sais pas si je vais vérifier. Il est sympa lui comme maître. Et du coup tu fais quoi? Tu t'occupes de ses chevaux, t'es éleveur? Et tu veux que je fasse pareil, que je m'occupe d'eux? Enfin ses chevaux c'est pas moi qui m'en occupe. C'est Loki, notre chasseur éleveur. Moi j'élève des cochons et je cultive des plantes. Et du coup tu veux que je sois ton assistant fermier, c'est ça? Bah surtout que... Moi c'est surtout les cochons que je préfère m'occuper, on a des moutons de l'ancien. C'est un fait. Ce serait okay. Bien qu'on ait toujours des moutons. Et vous avez quelque chose donc, pour les tondre? Si tu peux nous occuper. C'est peut-être là-bas en fait. Pour ça. Putain mais j'en ai marre. Comment? Fais attention. Est-ce que vous avez un très gros village. Je dirais même une forteresse. Pas très près. C'est pas très pratique. Oh bah, c'est sûr qu'on a dû fortifier, hein, pour une attaque. Attends, il y a l'autre qui va venir de ce côté. Oh, attends, je me mets devant. Un geste, j'apprécie pas trop. Ah oui, merci. Ouais, justement. Voilà, là-dedans, parfait. Ah. Est-ce que là, tu m'entends? Ah oui, je t'entends. Non, c'est juste que j'avais un petit bal de gorge. Allez, viens par là, toi. Alors, ça fait tellement longtemps que c'est abandonné qu'il y a même un arbre qui a poussé dans le plancher. Ouais. Il est bien, en vrai. C'est comment vous appelez ça? C'est Yggdrasil, non? Oh putain! Yes. Désolé. D'accord, merci. Tiens, bah voilà, justement. Merci. Ah, d'accord. Voilà celui qui pourrait vous serrer la main. Est-ce que par hasard t'as trouvé des stocks de bière? Non. Un truc pour la barbe. Rien. Non, pas aujourd'hui. C'est à partir de... Moi j'arrive pas à... Et le tonneau est inutilisable. Nurgine, est-ce que je peux venir avec vous à la taverne s'il vous plaît? Je m'en sors pas à votre table, je resterai par terre. Sur la table juste ici, il y en a un peu de... Bon, je vais voir avec le... Avec moi, je vais voir avec le roi. Pourquoi des pièces? J'ai encore rien vendu. Bah justement, c'est pour commencer à acheter des... Hein? Okay. C'est vrai qu'il y a l'autre. Non. Oh mais putain de merde! Je crois que j'avais entendu parler de Liarl, mais pas d'un roi, non. Oui, c'est... J'avoue que le système de roi est assez récent. Ah bon, pourquoi? Je crois que c'est ça. Parce qu'avant, effectivement, c'était des Liarl. Mais... Et pourquoi maintenant c'est un roi? Ah bah j'ai pas pris mon argent. Parce que... Oh, ça... C'est rien. Je vais pas vous dire. C'est pas grave, première soirée, première soirée. Merci. D'accord, ça s'est décidé, point. Hein. Et comment il est devenu roi? Oui, alors il me faudrait s'il vous plaît un hydromel. Putain,
t'adresses à qui, toi? Malheureusement, la palidronelle de l'Isolide encore. Et en plus de ça, l'esclave, okay. T'auras seulement le droit à des os à ronger, toi. Ah, d'accord. Ah, excellent, bah c'est... Sinon, mon maître a dit qu'il voulait un peu de jus de cassis, je crois. C'est quoi ce truc? Mon orgie, je t'avais passé, c'est pour pas justement casser les oreilles comme ça. Parce qu'un esclave, il a le droit de rien, de toute façon. Il a le droit de venir, il a le droit de rien, de pas se servir, c'est un esclave. Trois fois, esclave. Ah bon? Alors, c'est sûr que je risque pas, parce que quand je vois vos têtes. Et une baffe! Par exemple. En fait, je crois que votre roi se sert de moi pour faire de toi un homme, je crois. Et ça te pose un problème? Bah, quand je vois la taille de ta barbe, je me dis que c'est. Oui. Tiens, ta nourriture. Les fameux os à ronger. Bon appétit à toi. Va t'empoisonner avec ça. En bon coup, ça va le calmer. Je lui ai donné des os avec quelques morceaux de viande avariée dessus. Comment je fais pour... Je crois qu'elle est en train d'halluciner là. Ah oui, il y a le satané de pierre. Ah, il vomit dans la taille. Si tu fais un vomit, toi. Hop. Sors de là. Faites-le comme si c'était un animal, comme tes animaux à ta terre. Non, mes animaux sont plus intelligents que lui, ça c'est sûr. Et vu qu'on doit le traiter comme un animal, oh il salit, c'est toi qui rafraîchis. C'est de la bonne bouffe! Ah bah, ça appartient. Qu'est-ce qu'il faut? Ouais, et ça va finir à la poubelle. Bon, bah, je crois qu'il devra me payer un porc entier. On dirait bien. On dirait bien. Saloperie, va je vais te donner à manger à mes cochons, ça va pas tarder. Loki, tu voudras quoi? Bah, je sais pas si t'as quoi me proposer. Du goût, des côtes de porc, de la viande séchée. Vas-y, un peu Je crois bien que tu m'avais cassé les côtes, je crois. Du coup, voilà. Bah, j'espère que ça t'apprendra. C'est la nouvelle tavernière, donc ça sera une de tes. Elle est bien installée en plus. Hein. Ouais. Et du coup, juste ici, c'est une autre ferme, c'est là où je devrais m'occuper des moutons, c'est ça? Ouais, Tiens, d'ailleurs. Je vais en vente à l'extérieur. Là, je vais te montrer là, l'entrée où sont les moutons, d'ailleurs, tant qu'on y est. Dans une des pièces, tu verras, il y a des coffres. Il y aura de l'argent, mais bon. Ouais, tu vois, là, j'en profiter pour amener celui-là, d'ailleurs. Du coup, Asulf. Oh putain. Je vais finir par donner à manger à mes cochons, celui-là aussi. C'est celui qui te fournira en viande. Quand je vois l'intelligence des gardes, ça reflète bien l'intelligence de votre roi. C'est l'un de nos chasseurs. Non, c'est bon. Tu vas le voir. T'as besoin d'un cheval ou d'un chien. Hey, du calme. Du calme, toi. Mais le même les moutons m'agressent, quoi. Ouais, je crois qu'il a pas apprécié. J'ai bien sûr. Ouais. Vas-y, rentre-toi, mon gars. Bah, c'est pas mon gars, vu que c'est une brebis. Voilà, c'est là où sont les moutons. On a pas mal un. Vous savez à qui me fait penser ce mouton? Il me fait penser à. Comment il s'appelle? Ah oui, le roi Azouf, je crois. Il a toujours rien compris, toi, hein. Lui, je crois que ton esclave il tient pas à sa tête. Si, bah je m'occupe de bah celui-là, là, ce mouton, là, c'est Azouf, non, c'est ça? Regarde. Tu vois, il est. Oh merde, non, attends, arrêtez. C'est bon, je me range. Je suis autorisé par une chèvre. Vas-y, c'est bien, mon gars. Bon, par contre, comment il va sortir maintenant? Dis-moi, par hasard, est-ce que tu aurais des baies blanches? Je vais regarder ça. Attends, il est où l'autre con, j'ai perdu.
Je suis là, j'attends juste que le roi Azouf parte. Voilà, merci. Il est con, lui. C'est bon, c'est bon. M'appelle Seri. Faut qu'il va finir en bûcher, ce qu'on a, hein. Alors, juste lui, est-ce qu'il a un rapport avec le roi Azouf? Voilà, j'avoue qu'au niveau couleur, je peux comprendre. Là, je peux comprendre. Mais. Il n'a pas spécialement de rapport. Allez, sors. On va venir de l'autre côté de la ferme. Pour voir si j'ai des blanches. Les os étaient très bons, hein, je dis pas, mais. Est-ce qu'il y a un peu de viande, s'il vous plaît? Pour un peu m'aider à guérir de mes côtes cassées, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Vous savez toutes les droites que vous m'avez mises. Les droites méritées, ouais, je m'en souviens. En tout cas, ce village a l'air énorme. Vos remparts aussi. Mais ça manque quand même un peu de pierre, non? Vous avez pas peur que tout brûle un jour? On a commencé à tout brûler, ils ont pas réussi. Alors, celui-là, il fait comme louper, il est vraiment mauvais, celui-là. Il est en train de te tapoter le dos. J'ai vu ça. Je crois que ton esclave a des tendances assez spéciales. Je vois ça. Peut-être très affectif lors de vos nuits. Allez savoir. Il me semblait que j'en ai vu. Bon, heureusement, j'en ai cultivé un peu déjà. Des baies blanches de l'autre côté. C'est notre esclave, lui. Il a pas encore des clés, donc. J'en profite. S'il vous plaît. J'ai pas assez de force pour déboîter les portes. Bah tant mieux. Tu as celle-là pour l'instant. Ah d'accord.